Bye, see you. Thank you. Aujourd'hui, je vous reprends assez tard, il est déjà 11h. On a fait un petit déjeuner turc, on est retourné en fait au même endroit que la dernière fois, donc j'ai pas forcément filmé. Mais aujourd'hui, avant que je rentre, avant qu'il fasse tout noir, on va visiter la cité en basilique. Déjà là, j'ai devant moi, c'est magnifique. En fait, c'est un genre de monument souterrain de la ville d'Istanbul, où vous pouvez voir les anciens souterrains de la ville ottomane et voir donc un peu comment ça interagit. Déjà pour vous faire une petite idée. C'est tout en bas là-bas et du coup je vous emmène avec moi pour visiter ce bel endroit. Après notre petite escapade de ce matin, du coup on a visité la citerne basilique de Bodrum. On est rentré après donc avoir mangé à l'hôtel là parce que j'avais super chaud, j'ai voulu me changer. Donc j'ai mis un t-shirt et ma jupe parce que vraiment il pleut, il a commencé à pleuvoir. Mais le problème c'est qu'il fait super lourd et j'en pouvais plus, donc j'ai décidé de revenir pour me changer. Donc là on va aller faire un tour au bazar égyptien et acheter quelques petites choses, manger etc. et faire un tour. Et bien sûr je vais vous montrer tous les magasins, tous les shops, tous les commerçants qu'il y a dans le bazar égyptien. C'est vraiment un truc de malade. Vraiment je vous conseille de le faire avec le grand bazar que vous venez à Istanbul. Vraiment le truc à faire, passer par le bazar égyptien et le grand bazar. Juste après ça j'ai réservé deux places pour aller voir les Dervish Turners pareil de Bodrum. C'est un spectacle en fait de maître soufi qui est assez particulier. Je vous emmènerai pareil pour que vous puissiez voir, c'est vraiment magnifique. Et je vous mettrai en bas le site sur lequel j'ai réservé et à quel prix aussi je l'ai eu pour pouvoir passer une heure à voir le spectacle pour deux personnes. Sortir du spectacle de Dervish Turner, c'était vraiment magnifique. C'est en fait, je vous mettrai pareil les liens dans la barre d'infos là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que vous ayez toutes les informations pour venir voir le spectacle. Malheureusement, on n'avait pas le droit de filmer ni de faire de photos, donc j'ai pas pu vous prendre des scènes. Mais par contre, j'essaierai de regarder sur internet voir s'il n'y a pas des choses officielles que je peux vous mettre en début là ou en fin de vidéo. Mais c'était vraiment super intéressant. Et pour tous ceux qui aiment notamment Rumi et tous les poèmes qu'il fait, c'est vraiment cool et quelque chose à voir et à faire à Istanbul.